Attends, ils vont me C'est un demander peu comment plus cela, j'y complexe. crois pas. Cette lettre La bande de ce fils de pute. Putain, c'est chaud. Concentration extrême. Ce discours, il m'a saoulé, sérieux. Juste, hop là. Ah, ils sont devenus un peu tarés par là-bas. Écrire ce petit mot pour vous faire savoir que Jamie et moi sommes sortis vivants de combat. Nous avons
avons essuyé une contre-attaque la nuit où nous avons été bloqués sur les collines. Mais Jenny et moi avons réussi à retourner jusqu'à nos lignes quand nos trous d'hommes ont été débordés. À la fin de la nuit, les troupes de la NV s'étaient tellement étirées pour nous rechercher que nous avons pu les contre-attaquer et les repousser une fois pour toutes loin de la colline. Malheureusement, Batogis ne s'en est pas sorti. Il est mort là, sur cette colline. Sa mort nous a tous beaucoup choqués. Je connaissais Pat depuis l'école primaire et c'était un bonheur. Il se fichait de savoir ce que les autres enfants blancs pensaient de son amitié avec un petit noir. Je continuais à me demander s'il y avait quelque chose que j'aurais pu faire pour sauver. Je sais au fond de moi qu'il n'y avait rien à faire, mais ça continue de me travailler. Enfin, Oz et moi, nous reviendrons à la maison dans un mois. On nous a transférés au MACV dans la ville de Hue. Nous serons stationnés jusqu'à la fin de notre service au Vietnam. Hue n'a jamais été attaqué de toute la guerre. J'espère donc que la fin de mon séjour au Vietnam sera tranquille. Le capitaine Dandridge y a également été transféré. Greaser et Smooth m'ont promis qu'ils garderont l'œil sur Jamie, donc je ne m'inquiète pas trop pour eux. Je vous aime. Fin janvier 1968, le peuple du Sud-Vietnam préparait activement la fête traditionnelle du Tet, qui marque la nouvelle année lunaire. Les civils décoraient les boutiques et les maisons, tandis que les soldats attendaient impatiemment un bref cessez-le-feu. Beaucoup de militaires de l'ARVN prirent une permission pendant les célébrations nationales. Les insurgés communistes se préparaient pour quelque chose de bien différent. Le Vietnam du Nord choisit le moment du cessez-le-feu pour lancer le soulèvement général, une offensive coordonnée massive qui ciblait toutes les grandes bases et zones urbaines du Sud-Vietnam. La guérilla Vietcong se préparait et mobilisait ses troupes, tandis que l'ANV infiltrait le Sud par la piste Ho Chi Minh. Le 31 janvier, plus de 80 000 soldats communistes attaquèrent les villages, les districts et les villes du Sud-Vietnam, y compris Saigon, et la capitale impériale de Hue, jusqu'alors inviolée. Hue, capitale traditionnelle du Vietnam et symbole du riche héritage culturel du pays, fut submergée par l'offensive du Tet. Le Viet Cong et la NV se déversèrent dans les rues, arrêtant les catholiques, les intellectuels et tous les ennemis de la révolution qui n'eurent pas le temps de s'enfuir. Le 1er février, toute la ville, y compris le palais de la paix hautement vénéré, était fermement tenue par les communistes. Seul le complexe américain du McVie, sur la rive sud de la rivière des Parfums, et le quartier général de la 1ère division de l'ARVN, au nord de la citadelle, résistèrent aux féroces attaques de l'ANV. Chers parents, j'ai reçu votre lettre et les cartes de Noël l'autre jour. Je suis heureux d'apprendre que tout le monde va bien. Je suis désolé d'avoir raté encore un Noël avec vous, mais je serai bientôt rentré. Je suis impatient de vous revoir. Hue est une ville magnifique. Les gens ici sont très amicaux et tout est tranquille depuis mon arrivée. Nous avons eu des combats difficiles à Kessan, et c'est agréable d'être dans un endroit avec des lits, des draps et des murs. Jamie et les gars du 3e bataillon me manquent, mais ceux du MACV ont été très sympas. Le centre de commandement est au sud de la ville, sur les terrains d'un ancien hôtel. Quand on sort des murs, on est directement dans Hue. Les casernements ici sont beaucoup plus confortables que la boue de Kessan. On s'est bien amusé pendant la soirée du Nouvel An. Certains des Australiens se sont un peu trop lâchés, et la fête est loin d'être finie. La fête du Tet doit commencer demain, et tout le pays va la célébrer. Je n'ai jamais été dans une ville pendant le Tet jusqu'à maintenant, mais certains des gars me disent que c'est de la folie. Et ne vous inquiétez pas, je ne m'attirerai pas d'ennui. D'après les rapports, il y a eu quelques attaques à la roquette contre Kessan, mais aucun gros combat. Jamie devrait passer un Tet agréable, lui aussi. On dit au MACV que les Viet Cong sont en fuite et que les choses devraient bientôt se calmer. J'espère qu'ils ont raison. Je vous aime, Dean. Pendant que vous autres, planqués, vous faisiez la fête à Hue, des mecs comme Shepard et moi, on se faisait botter le cul dans la jungle. Pas vrai, Shep? Si tu penses que crapahuter dans ces tunnels de Kuchi et te faire ouvrir le bide par un piège, c'est trippant, je crois que t'es vraiment dingue. Shep est même descendu dans ces putains de tunnels. J'y serais allé aussi, mais j'étais à Kessan à ce moment-là. Vous allez la fermer tous les deux. On dirait mes parents. Eh, hey, fais passer cette bouteille. À la santé de notre ami Shepard. Qui salopard va rentrer au pays dans une petite semaine. Eh, hey, bravo, mec. Tu l'as bien mérité. Bonne année. Eh, hey, je rentre à la maison, moi aussi. Toutes les filles de Fort Dodge ont intérêt à faire gaffe, parce que le vieux Dan Schonauer part à la chasse. Laisse-moi rire, Oz. Tu
saurais même pas quoi faire avec. Lâche-moi, Chasseleur. Bonne année. Bonne année. Salut. Tu payes au bois? Bon Dieu, Tommy. Je pensais que tous les bordels étaient fermés pour le tête. C'est pas une pute. C'est ma fiancée. Fou? Tang? Non. C'est Fong. Ouais. Fong. C'est ça. Désolé, mon cœur. C'est feu d'artifice, idiot. Je vais te donner un feu d'artifice. Cool, Tommy. Vraiment cool. Faut qu'on bouge, Salut tout le monde, c'est Tizo. On se retrouve aujourd'hui, sûrement pour le dernier arc et la fin. Notre aventure sur Men of Valor. Donc on était à la partie UE. Donc pour ceux qui se rappellent plus, sur Call of Duty Black Ops, on a justement Oula. Je veux ma partie, attendez. Justement sur Black Ops on a cette partie qui est l'invasion de UE pendant la nuit, etc. Et c'est une mission que j'aimais beaucoup dans Black Ops. Et là d'ailleurs on la vit justement. Sous un autre angle. Pendant que vous autres planquez, vous ah putain. On peut pas zapper, bon c'est pas grave. Et de toute façon, vous avez pu voir dans les reportages que les bâtiments importants, on les voyait aussi dans différents jeux vidéo très connus de la guerre du Vietnam. Enfin surtout pendant l'invasion de UE. On en a dans Rising Storm 2 Vietnam. Et aussi on en a dans les autres jeux du Vietnam comme Viet Cong. Putain, on peut pas passer la cinématique, je suis désolé les gens. Aussi. Toutes les filles de Fort Dodge ont intérêt à faire gaffe parce que le vieux Dan Schonauer part à la chasse. Laisse-moi rire, Ross. Je saurais même pas quoi faire avec. Lâche-moi, Chasseleur. Bonne année. Bonne année. Salut. Tu payes au bois? Le bruit de merde. Mon Dieu, Tommy. Je pensais que tous les bordels étaient fermés pour le tête. C'est pas une pute. C'est ma fiancée. Où? Tang? Non, c'est Fong. Ouais, Fong. C'est ça, désolé mon cœur. C'est feu d'artifice, idiot. Je vais te donner un feu d'artifice. Ouais. Cool, Tommy. Vraiment cool. Est-ce qu'il s'est pris dans la gueule, putain? C'était de la merde. Faut qu'on bouge, chef. Faut qu'on rejoigne nos bunkers à la base. Allez. Ah, notre con, il est en slip. Bande de bâtards, vous avez gâché la fête. What the fuck? Ah, j'ai un car 15, génial. Ah, il est à poil celui-là.
Bon, y a rien par là. Faut tenir le mur. Les UG, y'a que ça de vrai. Ah putain, je suis content d'avoir changé d'arme, putain, là. J'avais bien la M4, mais là, j'ai la commando, putain, la commando. Est-ce que cela fait de moi un commando? Là, c'est pas juste par contre. Faut des PV. Ah, faut défendre. Fallait le dire. Ah, c'est juste du meublage le reste, ça va. Ah, génial. Putain, mais je suis en facile, putain, en plus. Putain, je me suis fait one shot par la grenade, c'est pas possible. Imagine un expert en une balle et on meurt, en fait. Petite maison coloniale. Avec le décor là, j'ai du mal à savoir c'est lesquels les vrais ennemis ou les faux. Parce que vous avez vu, il y a des tirs là, on n'arrive pas. Ils ne font aucun dégât parce qu'en fait c'est du meublage.
Putain, c'était... Comme j'étais faible. T'as vraiment que ça se garde là-haut. Je crois qu'ils vont avoir des tanks. Ils vont changer d'arme au cas où. Quel fragile. Deux grenades. Grenaille. Il me demande de protéger la base. On a un putain de tank. Des putains de tanks. Je sais pas où sont les ennemis mais ça continue à tirer. Cher fils, nous avons vu les actualités et nous avons entendu parler des attaques qui ont lieu partout au Vietnam. Ils disent que Hue est tombé entre les mains des communistes et qu'il y a eu beaucoup de pertes. On a aussi entendu dire que la base de Kessan pourrait être encerclée par un grand nombre de soldats de l'ANV. Ta mère et moi, nous prions pour ton frère et tes amis tous les jours. Fils, j'espère que tu iras bien quand tu recevras cette lettre. Je sais que tu ne pourras pas nous écrire avant un moment, et je ne sais pas quand tu recevras cette lettre, mais je veux que tu saches que nous prions pour toi. Les journalistes disent que c'est le plus grand désastre de toute l'histoire militaire américaine. Ça m'a l'air très exagéré, mais ça ne me réconforte pas beaucoup quand je sais que nos deux garçons sont en plein milieu de tout ça. Ils disent que des attaques ont commencé partout dans le pays
et que cela prouve que les gens sont vraiment du côté des communistes. Ça ne ressemble pas vraiment à ce que tu nous as écrit. Mais en tout cas, la guerre semble loin d'être finie. Je sais que ton service au Vietnam est bientôt terminé, et nous espérons que tu vas tenir le coup. Écris-nous aussi vite que tu peux pour nous dire que tu vas bien. Et donne-nous des nouvelles de Jamie si tu le peux. Dieu te bénisse, papa. Morgan Freeman détecté. Dean, je sais que vous êtes supposé vous reposer à Hue en attendant d'être renvoyé chez vous. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les circonstances nécessitent l'intervention de tous les hommes valides. Nous avons sécurisé le périmètre du centre, mais pour le reste, Hue est entre les mains de nos ennemis. Ils ont pris le contrôle de la citadelle et à part nous, il n'y a que le QG divisionnaire de la RVN au nord qui tienne le choc. Les troupes sont en route depuis Phu Bai et la 101e empêche les renforts de la NV d'arriver. Mais comme toujours, c'est aux Marines de faire le gros du travail. Le capitaine Van Bao a demandé au 5e de dégager la ville neuve et de sécuriser la rive sud de la rivière des Parfums. Je vous ai ajouté dans les ordres d'opération pour demain. Ces attaques nous ont coûté de nombreux cadres et j'ai besoin de vous. Le capitaine Dandridge va amener ses hommes nettoyer les quartiers résidentiels et commerçants au sud de la rivière des Parfums. Je veux que vous et Dan Schanauer alliez avec lui. Les combats se feront maison par maison et seront terribles. C'est une certitude. Sincèrement, capitaine Ménard. Ok, ça s'est arrêté de parler. On est le lendemain des attentats, je crois, là. Pas mourir celui-là. Putain, ça a l'air compliqué cette mission. Cher monsieur et madame Roland Shepard, cette lettre. Verser sur la droite pour voir. Allez, j'arrive pas à le décaler.